Avant de commencer la présentation de cette base, petit clin d'œil à mon ami de Belgique pour ce super cadeau. Ouais, elle est vraiment belle. Hein. Alors, me voici avec une nouvelle base au QRA. Alors, la Stalker 20. Oui, bah oui, c'est marqué. Alors, pour être plus précis dans le nom, alors, elle est de marque Timberry électronique. Et pour ce modèle, lieu Indianapolis. Voilà pour l'Europe. Donc son nom complet, c'est la Timberry Stalker 20 Woody Export. Donc Woody hein, pour l'habillage et imitation bois qu'il y a dessus. Elle est très belle. Hein. Elle est donc en 80 canaux, FM, AM, USB, LSB. Elle date de la période 1978-1979. Elle peut fonctionner aussi bien en 220 volts que en 12 volts. En voyant un petit peu les fonctions. Donc là, alors canal 9 Squatch. Bon, d'après le descriptif, ok, je vois ce que ça veut dire. Mais quand je teste. Là, j'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement. Bon, c'est pas grave. Autour, calibrage. Que je me mette n'importe où, allez, tiens, voilà. Je passe en émission. Ok. Voilà. Et là. Ok, c'est nickel. Filtre NBANL. Bon, ben, comme tous les filtres. Hein. Voilà. On sent bien la différence. Version donc 80 canaux, je vais y arriver. Low 40 canaux normaux. I, je suis sur les canaux supérieurs. Bon, je voulais voir si le Québec commençait à. Voilà, donc c'est nickel. Alors ici, bon, c'est la position scan avec le canal 9 et tout ça. Hold, j'ai pas trop compris là. Alors, modulomètre, lui il fonctionne qu'en AM visiblement. 1, 2, 1, 2. Là, on voit pas bouger. Zut.
Ok, là, on voit la modulation monter, c'est bon. Oh, il y a du monde partout, désolé. Un, deux, non, voilà, là non plus. Là non plus. Donc, le modulomètre est utilisable qu'en AM. Bon, cal, on l'a vu tout à l'heure, pour le calibrage. Et là, réception, n'importe quoi. Position tousmètre en permanence. Donc là, prise casque, le micro. Alors cette base, si on sort le micro, on n'a plus d'écoute. Voilà. Mais la réception se fait toujours, hein, mais on n'a plus d'écoute. Micro 5 broches. Volume. Squatch. Alors j'ai beaucoup de bruit quand même au niveau de la base, mais bon, elle date quand même de 78-79. Hein. Je sais pas si on entendra sur la caméra, mais il y a un souffle derrière. Mais bon, peu importe, on monte le volume et on n'entend plus le souffle. Alors le RF gain. Alors le RF gain, c'est un réducteur de réception. C'est pas un préampli de réception, c'est un réducteur de réception. Mic gain, même chose. Voilà, ok, on regarde le modulomètre, voilà, là, le modulomètre il est à zéro, je remonte le gain du micro, ok, voilà, là je suis au maximum. Donc voilà pour l'usage du mic gain. La tonalité, bon ben, grave aigu, hein. Les modes FM, AM, USB, LSB. La version américaine n'a pas la FM. D'ailleurs, je sais pas si on voit sur la vidéo, mais c'est une étiquette hein, qui est rajoutée pour la FM. Tout comme l'autre version de cette base est en 40 canaux. Et là, on voit que c'est aussi des étiquettes qui sont rajoutées là sur le bouton, cachant l'ancienne fonction d'origine. Et clarifieur, bon ben, pour clarifier en réception, évidemment, quand on est en BLU. Alors, bouton marche arrêt. On peut aussi programmer la mise en marche. Alors, je crois que, voilà, c'est ça. Là, je programme la mise en marche, de la mise en marche automatique, pardon. Je rallume. Clock. J'appuie ici défilement rapide de l'heure pour pouvoir la mettre à l'heure ou défilement plus lent. Tac, je l'enlève. Hold. Là, j'ai pas bien compris à quoi sert ce bouton. Je me demande si c'est pas pour effacer la programmation qu'on va faire au niveau de l'heure. Je sais pas trop. Alors derrière le poste, on trouve la sortie 220 volts avec un adaptateur parce que je suis en prise américaine, plus un petit adaptateur que j'ai eu avec. Les sorties 12 volts, donc cette base peut être mise en mobile, hachis, vu le gabarit par rapport au décamétrique au-dessus, je vois bien le tableau. Le fusible, la prise châssis PL pour brancher l'antenne. Alors, je vais me choisir un canal. Ouais, je pense que là, ça va être bon.
Alors, le 28, 28, ça correspond, canal 28, 27-285. Alors, le décamétrique qui est au-dessus, pas d'antenne, pas de micro pour faire des conneries. La base est en 4 watts AMFM, 12 watts BLU. Alors, essai, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, waouh, ça marche. Bon, on sent un petit peu de l'arcelle derrière, c'est normal, je suis trop près, mais ça marche. Essai, 1, 2, 3, ok, essai, 1, 2, ok, ça marche bien, ouais, oui monsieur, achi. Alors en BLU, bon je rappelle quand même qu'elle n'est pas toute jeune comme base, donc il est normal qu'il y ait quelques petits défauts, mais je verrai ça après avec... Christophe de SAV Radio 33 pour la faire étalonner, pour la faire régler et tout ça. Parce que je compte bien l'utiliser par la suite. Là, c'est pas que pour faire joli. Même si elle est en 80 canaux, il n'y a pas de plus 10, il n'y a pas de décalage en fréquence pour les sur les zéros. Mais bon, à voir s'il n'y a pas une astuce sur internet pour ça, pour l'avoir en plus, en récupérant des fonctions ou ajoutant des fonctions, parce qu'il y a de la place partout. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, 1, 2, 3, 1, et c'est radio, ok, là je teste. Ah oui, ça a l'air de le faire, là, je pense que là je dois pas être mal. Vu le retour que j'ai, 1, 2... Oh ouais, non mais les distorsions c'est normal, je suis en BLU, je suis trop près. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, ok. Ouais, là, j'ai une voix un peu de castré là, non ça va pas là, ok. Et c'est, ouais, c'est pas mal là. C'est, ouais, je pense. Ça casse un peu les oreilles, hein. Voilà. 1, 2, 3, ok. Bon, je vais essayer. Ouais, non, mais le larcel qu'il y a, c'est normal, c'est le retour qu'il y a du haut-parleur au micro direct. Donc là, c'est un peu normal. Ok, ouais, on entend bien. Ouais. Ok, super. Eh bien, ça marche nickel tout ça. Ça marche. Là, eh ben, je crois que je suis pas mal. Si, là, à suivre, vous allez voir tout ce que j'ai pu trouver comme info, toutes les photos là que j'ai prises là, de la base sous tous les angles. Vraiment sous tous les angles. Alors, c'est une platine que je regarde ce que j'ai marqué là dans ma doc. C'est une platine Uniden. J'ai mis ça où? C'est la PC411AD. Voilà, c'est la même qui est utilisée également sur la base Président Madison. Donc on sait ce que ça vaut. C'est du tout bon. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Eh bien, regardez bien les photos et tout à suivre. Pour plus de détails, eh bien, ça sera sur le forum, la planète Sibi francophone.
La propague est un peu retombée. Ah ben j'étais resté. Ah non, c'est moi. Si la propague est un peu retombée. Elle fait le yo-yo, la propague. Sur les stations en fréquence pour Dundee 33, qui l'on s'appelle, depuis le secteur de les environs de Saint-Émilion. Sur les stations en fréquence pour Dundee 33, qui l'on s'appelle, depuis les environs de Saint-Émilion. Oh oh! Oh, j'ai entendu quelqu'un répondre derrière, c'est très très QRP. Là, je suis tellement là en plein test, là, sur une base Timberry, Stalker 20. Voilà, je suis en train de faire des tests avec les 73-51 à la station de Dundee 33, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Zut. Bon, vous l'avez entendu comme moi, c'était très QRP. Bon, on va voir. On va voir ça. Le Québec. CQ, CQ, CQDX. Appel en direction du Québec, Canada. Appel de 14 kilomac 3301 opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, les environs de Saint-Émilion. Voilà, il faut tenir compte aussi qu'on a vu que j'ai un petit décalage en fréquence. Donc, c'est... Si j'ai pas de réponse, je saurai pourquoi. Alors que je... Donc là, 18 sup, 27625. Alors tout à l'heure, on a vu que j'étais quelque part par là. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 kilomac 3301 opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde. Ouais, elle a besoin d'être réglée. Parce que pour le coup, je suis pas sûr. Je sais pas trop. Bon, ça, c'est pas grave. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 kilomac 3301 opérateur Rémi, en direction de 9 Bravo Charlie 555 depuis le sud-ouest de France. Bon, maintenant l'OM est peut-être en train de bosser aussi, c'est possible. Parce que là, il est. Ah ben, j'ai l'heure devant les yeux. 15h53, bon 15h50, 55. Donc ça veut dire que chez eux, eh bien il est 10h moins 10, moins 5. Autour de ça.
Ah, le son c'est quand même meilleur que ce qu'on entend sur les postes d'aujourd'hui. Au niveau du passage dans les circuits, ça rentre en analogique, ça reste en analogique jusqu'au haut-parleur. Les postes d'aujourd'hui, bon, ça rentre toujours en analogique. C'est mixé, numérisé à l'intérieur pour être après renvoyé dans le haut-parleur. Ce qui donne un son un peu bizarre des fois quand le niveau est trop fort. Là, si le niveau est trop fort, eh ben ça fera monter le volume, c'est tout.